Voilà, cette vidéo, c'est fait pour Jéhovah. Donc, je viens aujourd'hui devant Jéhovah et je suis face à face. Donc là, je n'ai pas préparé de discours, hein, donc je n'ai pas de discours, seulement quelques textes que je vais lire tout à l'heure. Donc, je n'ai pas de discours pour toi, Jéhovah. Mais aujourd'hui, je viens vers toi directement, comme à tes gouverneurs, on ne veut pas les parler parce qu'ils sont aussi fiers que toi. Et même, je veux dire qu'ils sont encore plus fiers que toi. Toi étant un fier Dieu, un fier Dieu satanique et luciférien, mais eux, ils sont encore plus fiers que toi. Ce qui m'amène chez toi aujourd'hui, c'est de te dire d'avoir honte. Honte à toi, Jéhovah. Honte à toi pour tous tes crimes que tu as faits. Mais dans un siècle et demi, tu as fait des crimes. Milliers de gens qui sont morts à cause de ton nom. Et aujourd'hui, je viens parce que je vais t'exposer. Et je vais dire que plus personne qui doit mourir pour ce nom cananite, ce nom luciférien, démoniaque, plus personne qui doit mourir. Je viens avec puissance. Je suis chargé beaucoup de puissance. J'ai beaucoup de puissance en moi. Et moi, je vais te dire, et bien sûr, que tout ce que je fais et tout ce que je dis au nom de Jésus-Christ. Devant mon Père, le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, devant lui, devant son Fils Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, et devant les anges, le puissant ange devant. Je suis avec tout ça que je viens vers toi. Pour te parler avec puissance que je te parle. Je ne te parle pas d'une aucune faiblesse. Je n'ai aucune faiblesse devant toi. D'accord? Et sache ceci, que tu es un criminel et tu es un assassin. Et qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, plus personne qui doit mourir pour toi. Parce que eux, tous ces gens-là ne savent pas. Ne savent pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout le monde, il saura qu'ils ne sont plus besoin. Ils n'ont plus besoin de mourir. Toi, tu as mis, avec tes lois jéhovistes, tu as mis beaucoup de règlements et des lois qui sont des lois et des règlements d'assassins et des criminels et des meurtriers. Mais mon Père, il n'est pas cet Dieu, parce que mon Père, il est un Dieu d'amour. Mon Père, il est l'amour. Il est un Dieu qui aime. C'est un amour, c'est une douceur. Et ça, c'est le vrai Dieu. Ça, c'est le vrai Dieu qui a créé la terre. Ça, c'est le vrai Dieu qui a créé le ciel. Et toi, quand tu dis qu'il ne faut pas toucher le sang, bien sûr, c'est écrit, mais ça, c'est en rapport avec les idoles. Et en fait, quand on dit « ne touchez pas le sang », c'est impossible. C'est une métaphore qu'on utilise pour représenter tout ce qui était sacrifié pour des idoles. Je parle des idoles d'abord, ok? Après les autres, on les laisse à part. D'accord? Tout ce sang était versé pour des idoles. Et tout ce qui est satanique et démoniaque, il est touché par le sang. Et toute ton histoire, jéhoviste, est écrite en sang. Et c'est là qu'on voit que tu es démoniaque et sataniaque. Toute ton organisation et toutes choses que tu as fait, tous ces washawa, c'est diabolique et satanique. Parce que toute votre histoire est écrite dans le sang. Sache une chose, que mon Père n'a jamais donné des commandements. Il n'a jamais laissé des commandements qui auraient tué en personne. Et même mon frère et Seigneur, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi, aussi, lui, laisse-moi te lire quelque chose, dans Luc 14, donc l'histoire est connue, quand il est entré au jour des sabbats dans la maison d'un des principaux pharisiens, etc. Et il les a dit, il y avait un homme hydropique qui était là, il arrive, et alors il dit, Jésus dit, prenant la parole, parla au docteur de la loi et aux pharisiens, disant, est-il permis de guérir au jour des sabbats? Et il ne dit pas un mot, comme toi aujourd'hui, tu ne vas pas dire un mot aujourd'hui. Alors, ayant pris le malade, il le guérit et le renvoya. Puis s'adressant à eux, il leur dit, « Qui sera que lui entre vous, qui ayant un âne ou un bœuf, lequel vient de tomber dans un puits, et ne le retire aussi le jour des sabbats ?»
et il ne pouvait répliquer à ces choses. Donc, aujourd'hui aussi, je dis ça. Pourquoi? Parce que les commandements de mon Père, ils étaient donnés pour le bénéfice de chacun, et non pas pour le tuer, pas pour l'assassiner. C'était des lois, regarde ici, dans Proverbe 3:1, il dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. » Dans Proverbe 3:2, il dit, continue, « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Donc, comme tu vois ici, Jéhovah, ils ne vont pas mourir, tous ceux qui s'approchent de mon Père, donc qui gardent ses commandements, ils seront prolongés leurs jours et pas raccourcir, comme tu fais avec tous ces commandements jéhovistes. Tous ces commandements jéhovistes, ils tuent les hommes, ils ne prolongent pas leur vie. Et c'est là on voit que tu es le anti-Christ et anti-Dieu. Tu es le anti-Dieu. Après, il y a plein, je peux citer des centaines, Deutéronome 11:21, premier roi 3:11, il dit, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et commandements, comme la fidèle de ton Père, je prolongerai tes jours. Psaume 91, vers 16, Psaume 119, 165, il y a des centaines de textes à citer, mais je ne vais pas les citer tous, mais je vais prier, par exemple, je vais citer Proverbe 3:16, il dit, dans sa droite, est une longue vie, et dans sa gauche la richesse et la gloire. Proverbe 4:10, écoute mon fils et reçois mes paroles. Quel amour, hein? Et les années de ta vie se multiplieront, c'est pas raccourciront, hein? Se multiplieront. Proverbe 9:11, il dit, car c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Donc c'est pas raccourci, hein? Comme chez toi. Proverbe 10, verset 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours, pas rabaisse les jours. Et le Proverbe 16, 31, il dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Alors, comme tu l'as vu ici, Jéhovah, tu vois, tous ces commandements sont donnés. Tous les commandements de mon Père, qui est amour, et qui est en grande bonté, c'est un amour que tu n'as jamais vu, et aucun témoin de Jéhovah ne connaît pas cet amour. C'est un amour. Mon Père n'aurait jamais fait un commandement ou une loi qui aurait tué quelqu'un. Et encore une fois, dans le 1er Jean 5:3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, n'est-ce pas? Donc, si mon Père il dit ça, il n'est pas un menteur. Donc, s'ils ne sont même pas pénibles, comment on pourrait tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Quel mensonge! Ici, on voit ton satanisme, le yahwisme, ok? Le luciférisme. Matthieu 11:30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11:30 encore, hein? Etc. On a des centaines de textes, hein? Il lit des fardeaux pesants et les mettant sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ça, c'est toi, ça. Jean 14:15, si vous m'aimez, gardez mes commandements, etc., etc. Sans fin, on peut citer sans fin. Voilà, donc ici, Jéhovah, c'est ça que je voulais te dire, que ici, ça dévoile ta compétence ou ta incompétence, tu es un Dieu incompétente. Tu as échoué, aujourd'hui c'est ton échec. Après autant d'années et autant de crimes, que ton histoire était écrite dans le sang et que tu n'as aucun amour, laisse-moi te montrer que c'est qui mon Père. 1 Jean 4:8, il dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et laissons-nous voir 7 aussi, laisse-moi te lire le 7 aussi. Parce qu'il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Mais comme toi, tu sais, Jéhovah, toi tu n'es pas né de Dieu. Tu es un Satan, tu es un démon, le père de mensonges. T'es un criminel, t'es un assassin. Jésus n'a jamais répété ton nom.
Ça, c'est un mascarade et un mensonge. C'est pour ça qu'on ne trouve pas ton nom dans le Nouveau Testament. Parce qu'il a toujours, le Christ a dit la même chose que moi, je t'ai dit aujourd'hui. Par inspiration, je te parle. Moi, je suis inspiré, contrairement à tes gouverneurs misérables. Inspirés, bien sûr qu'ils sont inspirés par toi, par ton esprit luciférien. Le 1er Jean 3, 10, il dit, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ici, on peut rajouter ton criminel excommunication que ne vient pas de Dieu. Ça, c'est votre crime, assassinat et séparation des familles que vous faites. Infâme et ordure que vous êtes tous. Toi en tête. 1 Jean 4 et 7, il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe chez les Jéhovistes? Les Jéhovistes, ils ont la haine, ils se haïssent les uns les autres. Et en plus, ils enseignent les uns les autres. Haïssez ce qui n'est pas, haïssez ça, tout ça. Ça, ça vient de Satan, Lucifer, comme toi. Parce que c'est toi la nouvelle lumière. Les chrétiens n'ont jamais connu la nouvelle lumière. Depuis toi t'es apparu, ils connaissent la nouvelle lumière. Ça c'est Satan. 1 Jean 4, verset 16, il dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc ici on voit toutes vos excommunications. Moi j'ai pas vu d'amour dans ton organisation satanique. Luciférien, moi j'ai jamais vu d'amour. Ça c'est une mascarade, vous êtes une mascarade et des ordures. Et voilà, je te dis encore une fois, honte à toi, criminel, assassin, luciférien. Et que honte à toi, et que le jour est arrivé, que plus besoin de personnes de mourir pour toi. Et plus besoin de personnes qui se séparent de leur famille. Le méchant c'est pas ça, le méchant c'est toi. C'est toi qu'il faut qu'il rejette tous ces gens. Parce que Paul, quand il a parlé le méchant et faisait référence aux Écritures Saintes, c'était le mauvais. Le mauvais, c'était qui? C'était le faux apôtre. Et puis, le mauvais, c'était qui? C'était Satan, le diable. Donc, on parlait de toi. Il faut se séparer. Ce n'est pas des gens qui font d'erreurs. Le Christ, il a très bien montré. Donc encore une fois, honte à toi et que les gens qui se réveillent, qu'ils n'oublient pas ça, qu'il n'y a pas d'excommunication chez les chrétiens. Il n'y a pas d'excommunication, il n'y a pas de crime. Parce que Dieu, le vrai Dieu, c'est amour. Ça infuse une amour inimaginable. L'amour, c'est puissant. L'amour, c'est infini, immortel. Il ne faut pas croire toutes vos mascarades que vous racontez là. Donc que les gens qui se réveillent, parce que c'est fini toutes ces mascarades, des crimes et des mensonges que vous les faites un après l'autre. Le temps est compté pour vous, et pour toi aussi, Jéhovah. Amen et Amen.